le deuil, donc avec la disparition du Premier ministre Ahmed Bakayoko, et dès l'annonce donc de son décès, ça a été une consternation générale. Mais vous l'aurez remarqué dans tous les témoignages qui ont été faits, il y a eu une constance. C'est ce que le Premier ministre Ahmed Bakayoko représentait pour la jeunesse ivoirienne. Et cette jeunesse a voulu se mobiliser de façon spontanée pour participer à chacune des étapes liées donc à ses funérailles. Et ces étapes commencent avec l'arrivée du corps demain samedi. L'accueil va se faire par une aide d'honneur qui ira donc de l'aéroport jusqu'à Ifosep. Et la aide d'honneur donc sera constituée donc des jeunes de Port-Boué, de Koumassi, de Makori et des 13 villes principalement. Mais nous aurons aussi les jeunes des autres communes, notamment ceux donc d'Abobo, d'Anyama, de Cocody, d'Adjamé, d'Atékoubé et du Plateau, en plus donc de Béjéville et de Yopougon. Après l'accueil demain, il y aura l'hommage donc qui sera rendu dans la marche donc de l'hommage national. Le ministre Adama Bitogo a proposé que le mercredi prochain, au stade des BMP, il y ait un grand hommage donc au Premier ministre Ahmed Bakayoko. Et donc un comité d'organisation beaucoup plus large, intégrant le parti, puisque c'est le parti qui va porter cette activité, et d'autres cadres et leaders se mettra aussi en place pour organiser. Pour l'heure, ce comité ne travaille que sur l'accueil demain et la participation des jeunes et des associations à l'accueil qui se fera demain.